Eh oui, c'est Claytech Pro qui monte une nouvelle vidéo pour nous sur installation panneaux solaires. Alors, pas oublier, abonnez-vous à la chaîne là, like chaque vidéo, commentez et partagez. C'est Claytech Pro et Eh oui, c'est Claytech Pro électrotechnique. Alors, et bienvenue pour une formation rapide sur installation photovoltaïque. Alors, pas oublier, abonnez-vous avec la chaîne là. Like chaque vidéo, commenter et partager. Si nous ka contacter moi sur WhatsApp, mes numéro WhatsApp là 48 62 26 98 et suivez sur YouTube Claytech Pro, Instagram Claytech Pro sur Facebook. Alors, page YouTube là, nous avons un paquet de belles vidéos sur lui. Alors abonnez, partagez. Et like chaque vidéo, c'est ça me commande pour que vous encouragez plus pour me liker plus belle vidéo. Ok, nous partons là, installation photovoltaïque. Et pour nous commencer avec mon tout ça, c'est ensemble de package. Ça veut dire que si on parle de panneaux solaires, on parle de l'autre élément, par exemple un régulateur. Mais mon tout ça, là, n'a pas eu de 4 éléments là-dedans, qui c'est panneau solaire, régulateur de charge, batterie et puis tout inverteur. Le panneau solaire qui est destiné pour récupérer le rayonnement solaire là pour le convertir en énergie. Bon, déjà nous avons deux types de panneaux solaires, les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. La différence entre panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques, il est là pour prendre le rayonnement solaire là, il est là pour prendre le rayonnement solaire là pour convertir en chaleur. Laisse ça ou chauffer l'eau avec elle, ou laver vaisselle avec elle, c'est ça avec elle. C'est prendre l'énergie solaire là et convertir en chaleur. Et on va pas bagarre au café avec elle. Et des panneaux solaires photovoltaïques qui prend le rayonnement solaire là lui-même et convertir en électricité. Alors, et ça qui intéresse nous là, c'est les panneaux solaires photovoltaïques là. Un panneau solaire photovoltaïque, il constitue les cellules photovoltaïques. Une cellule photovoltaïque, c'est un dispositif qui produit électricité lorsque les joints de lumière solaire là, ok, ils produisent électricité. Alors, il fait ça qui produit bien lorsque cellule la joint lumière solaire là il produit l'électricité et fait ça l'effet photovoltaïque. Alors il y a un panneau solaire il y a plusieurs cellules après plusieurs qui groupent ensemble et bien il y a un grand ticao c'est une cellule mais les regroupent ensemble ils font ça le module photovoltaïque là ils font ça le panneau solaire là. Alors chaque cellule qu'a délivré environ entre 0.5 à 0.6 volts. Chaque cellule qu'a délivré entre 0.5 à 0.6 volts. Alors, lorsque nous avons un panneau solaire qui a 36 cellules, déjà nous avons une idée de combien de volts que le panneau solaire a. Il a délivré. Par exemple, si nous avons un panneau solaire qui a 36 cellules, déjà nous connaissons que chaque cellule c'est 0.5 volts. C'est 36 par 0.5, ça bat 18 volts. Eh bien, et si nous avons un panneau solaire de 60 cellules, combien de volts il y a? Si nous avons un panneau solaire de 72 cellules, combien de volts il y a? Alors, je vais répondre à ça dans un commentaire en bas vidéo. Répondre à la question ça. Un panneau de 60 cellules, combien de volts que il y a délivré? Une 72 cellules, combien de volts que il y a délivré? Nous avons plusieurs types de panneaux solaires. Nous avons des panneaux solaires silicium monocristallin, silicium polycristallin et silicium amorphe. Alors, qui est ça que silicium? Silicium, c'est le matériel que vous faites panneaux solaires. C'est avec que vous faites panneaux solaires. Ok? Alors, nous avons un panneau solaire monocristallin, il y a un rendement de 17%. Il y a un panneau solaire polycristallin, il y a un rendement de 14%. Et il y a un panneau solaire amorphe, il y a un rendement de 8%. Alors, ça nous est plus sous ma chia. Et ça que ma
rete sou yo plus si monocristalin avec polycristalin. Amof la, nou el le plus souvent nan kalkulatris sa ki gen ti panneau solaire yo. Sa yo se amof, rendement yo se 8%. Alors n'a parlé plus de monocristalin et polycristalin. Déjà, le panneau solaire gen sa yo yon paramètre électrique la. Qui se bâtisse panneau solaire là, a dit plaque signalétique panneau solaire là, ou bien acte de naissance li, accélération li, c'est des dollars liés dans plaque sac des dollars. Ok? Plaque ça relie plaque signalétique. C'est plaque ça capte tout détail de panneau solaire là, de puissance panneau solaire là, de courant que panneau solaire là a délivré, courant max, courant pour circuit, et voltage et circuit ouvert. Alors c'est des deux panneaux solaires que ou pas li information ça. Déjà nous ka li P max des deux qui signifie puissance max kan panneau solaire la kabay. Et gen VOC qui c'est voltage que panneau solaire la ka délivré lorsque circuit a ouvert. Circuit ouvert signifie que ça lorsque pas bloqué son rien, il est pas connecté à rien. OK? Il c'est VOC qui c'est voltage circuit ouvert. Par exemple là n'a pas que nous gain 45.35 là tension hein? Des connexions parallèles qui augmentent ampérage là et des connexions série parallèles qui augmentent tension hein? Et ampérage là par exemple pour connexion série là la gaille n'a pas nous gain deux panneaux solaires 18 volts 8.59 ampères 18 volts 8.59 ampères nous me placer en série c'est
série c'est moins aller dans plus. C'est moins sur panneau solaire, aller dans plus panneau solaire 2. Là moi fin gagner plus panneau solaire 1 qui sorti et moins panneau solaire 2 qui sorti. Alors lorsque me placer en série, tension hein, ou bien voltage là, il est additionné. 18 volts plus 18 volts, là me vient gagner 36 volts. Mais ampérage là qui c'est 8.59 ampères, il était 8.59 ampères, il pas augmenté. Alors l'en font couplage série non panneau solaire, nous augmenter tension hein, qui c'est voltage là, mais nous kembe même courant, a dit que courant pas augmenté lorsque c'est couplage série que nous fait. OK, lorsque nous brancher en série, kounya en nous font branchement parallèle. Bon, avant parallèle là, par exemple on a le branchement série ça toujours. Moi j'ai 3 panneaux solaires de 24 volts chaque là, m'a metté en série. Alors c'est moins premier aller dans plus deuxième nan, moins deuxième nan aller dans plus troisième nan. Moi vinn gagner c'est plus premier qui sorti et moins troisième nan qui sorti là. Là moi vinn gagner 3 panneaux solaires placés en série, c'est 24 volts plus 24 volts plus 24 volts. Ça fait 72 volts. Mais comme je place en série, ampérage a pas changé. Alors moi gagne 72 volts mais moi gagne 8 ampères. OK? Là c'est branchement série. Pour branchement parallèle, lorsque vous branchez panneau solaire en parallèle, ça veut dire que ça, vous mettez plus premier dans plus deuxième nan, moins premier dans moins deuxième nan. N'a pas de là, nous après plus premier dans plus deuxième panneau solaire là, moins premier dans moins deuxième panneau solaire là. Et panneau solaire yo chaque là c'est 18 volts 8.59 ampères, 18 volts 8.59 ampères. Lorsque nous mettons en parallèle, nous gagnons même tension, même voltage là, 18 volts là, qui a toujours été, mais qu'on a là, c'est ampérage qui a augmenté. Là, nous avons 8.59. Alors, comme nous avons deux panneaux solaires qui passent en parallèle, alors, nous avons les par deux. Là, nous avons 17.18 ampères. Voilà. Alors, branchement série, voltage là a augmenté, mais ampérage a été même genre, même branchement parallèle. Ampérage a augmenté, mais voltage a arrêté, même genre. Là, nous allons brancher en série parallèle. En branchement série parallèle, moi j'ai un groupe de panneaux solaires qui est placé en parallèle déjà. 18 volts, 17.18 ampères. 18 volts, 17.18 ampères. Je vais placer 2 en groupe de 2 en parallèle. Eh bien, pour augmenter le voltage là, m'a placé en série. C'est moins premier, moins groupe premier, aller dans plus groupe deuxième là. Et m'gagne plus groupe premier à sortir et moins groupe deuxième sorti. Là m'gagne 18 plus 18, ça va être 36 volts. 17.18 ampères. Ça son branchement série parallèle. OK, deux groupes ça va placer en parallèle, deux groupes ça va placer en parallèle et là avec accordement ça, conducteur jaune ça là, nous faisons un branchement série là. Laisse ça voltage ça augmenter. Alors, les pas recommandé pour que ou après ça les panneaux solaires ensemble qui gagne caractéristiques différentes, là dit que voltage là ta différent ou bien tension différente parce que ça a produit un rendement panneau solaire. Ça a produit là-dedans. On regarde pour nous, ça m'a dit nous. Et dans une prochaine image, et bon, là nous avons une série parallèle toujours et 24 volts, 24 volts, 24 volts, 8 ampères. Et mettez le groupe ça en l'air, c'est groupe 1 en série, ça va être 72 volts, 8 ampères. Et groupe 2 en série, ça va être 72 volts, 8 ampères. Mais lorsque nous mettez deux groupes en parallèle, c'est 8 ampères, 8 ampères, et bien c'est plus dans plus. Moins dans moins, eh bien, ça fait 72 volts comme tension. L'a toujours été, vu que mettez groupe 1 à groupe 2 en parallèle, mais ampérage a augmenté. Ma fin de là, c'est 8 plus 8, ça fait 16 ampères. Alors, lorsque je fais 16 ampères multiplié par 72,
Alors, nous avons un système avec 6 panneaux solaires qui est égal avec 1152 watts. Ok. Qui est fait qui gagne lorsque nous placer 2 panneaux solaires qui par les mêmes caractéristiques en série? On a le goût pour nous là. Panneau solaire 1, nous voyons que 18 volts, 8.59 ampères. Panneau solaire 2, 18 volts, 5 ampères. Placer en série, c'est moins, aller dans plus. En sortie, déjà, lorsque c'est série, n'a bien augmentation voltage, tension va augmenter. Moi, là, nous avons 36 volts. Même, nous avons 5 ampères. Bizarrement, nous avons 5 ampères. Mais pourtant, là, j'ai gagné 8.59 ampères et là, j'ai gagné 5 ampères. Mais pour que ça, c'est 5 ampères, j'ai gagné, pas gagné 8.59 ampères là. Eh bien, lorsque vous gagnez deux panneaux solaires, ou placez en série, qui gagnez un ampérage différent, eh bien, c'est ampérage ça qui pipitien cap en priorité. Eh bien, c'est ampérage qui pipitien, système n'a pas connu. C'est ampérage qui pipitien cap délivré. 8.59, 5 ampères. Alors, c'est 5 ampères là qui est en priorité électrique. Alors, là, on a un système avec deux panneaux solaires. Ampérage différent. 36 volts, les mettons ensemble. On a 36 volts, les mettons ensemble, même on a 5 ampères. Alors, ça fait, ou pas supposé placer panneaux solaires et qui ont une caractéristique différente ça, ensemble. En série ou bien parallèle. Parce que, ce que ça passe, c'est que lorsque vous avez les mêmes caractéristiques, li agit sur l'autre panneau solaire là. Tension surtout. Si m gagne même tension, m ka mettre en parallèle. Même là, m ka pa gagne même quoi. OK? Mais si m pa gagne même quoi mettre en série, et ça qui pipitien ka en priorité. Alors et quand on lorsque n'a passé panneau solaire yo, c'est que nous avons un panneau solaire qui a une capacité différente, 400 watts, 200 watts, et 150 watts par exemple. Nous avons installé non seul régulateur, il est impossible vu que 400 watts là a baillé plus voltage. 400 watts là, tu as supposé baillé 40 ampères, 40 volts, puis 150 watts là, 18 volts. Alors on a pour que le voltage est différent, alors on ne peut pas mettre sur le même régulateur. On va mettre deux régulateurs, une pour chaque panneau solaire, plutôt qui cale un bug de batterie. Bon, on a les vidéos devant. Et panneau solaire monocristallin et polycristallin. Panneau solaire monocristallin, on a point que ligon couleur bleuté, un bleu foncé presque noir même. Et panneau solaire poly, on a point que les bleus, on a point avec tacté silicium sur lui. Ok. Qui avantage qui au chaque la gagne? Eh bien, un panneau solaire polycristallin, il gagne un rendement de 11 à 15%. Avantage que le gagne, c'est que il est plus économique, il est moins sensible avec variation de température et il gagne meilleur rendement lorsque il gagne forte température. Ça veut dire que ça? Panneau solaire polycristallin, il est habitué li reme côté qui fait chaud par exemple Haïti gros go soleil et mais panneau solaire ça polycristallin mais lorsque gagne gros soleil li bay un bon rendement parce que li fait côté que il soleil chaud pas fait le pain. OK, a dit que depuis que les jeunes bon soleil la bon rendement. Inconvénient c'est que li encombrant. Ça veut dire que ça, si mon panneau solaire 150 watts polycristallin, mon 150 watts monocristallin, eh bien, 150 watts polycristallin, la légèrement plus gros que 150 watts monocristallin. Ok? Il y a un panneau solaire monocristallin, rendement c'est 17%. Et. Li ba yon pi bon rendement lorsque soleil la pa chaud. OK? Li ba yon pi bon rendement, li ba yon pi bon rendement c'est lorsque soleil la pa chaud. Pendant soleil monocristallin, li ba yon pi bon rendement c'est lorsque soleil la pa chaud.
depuis que le soleil là trop chaud, température élevée, mais rendement baissé. OK? Et le côté fabrication côté pour faire panneau solaire et mono, le côté plus cob qui est sur ta forme panneau solaire pour les cristallins. Les rendements qui est élevé, les rendements qui est élevé qui c'est 17% de rendement, mais avec un faible ensoleillement. Panneau solaire mono cristallin yo, yo commencé bay batterie en charge puis bonnet et qui m'a battu à charge pita. Ça veut dire que ça, depuis que j'ai un petit faible soleil seulement, depuis à 7h du matin, 6h du matin, j'ai commencé à battre charge lorsque vous mettez dans le système. Nan. Ok? Parce que j'ai fait pour ça, à côté que pas besoin de gros soleil, mais même les nuages, pour battre charge. Qui est différent de panneaux solaires polycristallins, qui commence à battre charge pita, qui finit battre charge plus rapide, plus bonheur. Ça veut dire que par le soleil polio, et lorsque il y a un bon soleil, il commence à battre en charge, il commence à battre puissance maxi. Qu'est-ce qui a fait que l'installation de soleil là, il y a une perte là-dedans, une perte énergétique. Alors c'est lorsque vous installez par le soleil là, côté que il y a un ombrage, c'est le lieu où il y a un ombrage qui arrive sur vous, le soleil là, pas bien frappé sur vous. Avec si tu as une perte lorsque tu as une poussière sous l'île, tu as une sale. Et tu as une perte par dispersion de puissance et nominale. Alors, il y a une liste plus ou moins 3% ou 10%. Tu as une perte par connexion lorsque tu as fait connexion et câble. Tu as une perte au niveau de la connexion. Et tu as une perte. Et par rapport avec température là, température qui est trop élevée, trop élevée, et ça vient d'un pète au niveau installation photovoltaïque là. Pour que vous installez un panneau solaire photovoltaïque correctement et pour gagner un bon rendement, déjà faut que vous bien incliné le panneau solaire là. Il est vraiment vraiment important pour incliner le panneau solaire là, de façon que vous venez plus bon rendement. Il y a un panneau solaire qui est incliné entre 15 à 35 degrés, il a un meilleur rendement de lui-même. Entre 15 à 35 degrés, ça veut dire que le soleil a fait lever, il bat sous lui, le soleil après le coucher, il toujours bat sous lui. Alors, c'est 15 à 35 degrés. Alors, orientation, c'est sud. C'est sud orientation. Parce qu'à midi, le soleil a plus chaud. Les battre sur le soleil à plus parce que entre intervalle 2h 10h 2h la soleil là plus chaud là, OK, pendant 3h. Alors inclinaison c'est 15 à 35 degrés et orientation c'est vers le sud. Lorsque nous prenons le panneau solaire là plat, à dire plat 0 degré ou bien 80 degrés, et c'est que les wagons vont être, c'est que qu'on le lie sur la, lorsque le changement bon, il est pas arrivé sur lui. Si nous mettons là, si nous mettons là avec 8 degrés, la pompe passe dans ce là, mais qu'on le lie, il pas frappé sur lui. Même genre pour 90 degrés. 90 degrés, si ce là quitte l'espace la net, l'après-midi c'est que ou on va le gêner parce que l'inclinaison pas bon. Ça, et le qui mieux est là, c'est 15 à 35 degrés vers le sud. Alors, pour nous propter le panneau solaire, nous pouvons propter avec de l'eau. Alors, pas besoin de liquide, tout ça, c'est avec de l'eau uniquement. Et le soleil finit de coucher, le soleil a couché, ou bien avant le soleil a levé. Nous pouvons laver le panneau solaire pour nous dire que ça a dessoulé. Alors là, on a pour que l'inclinaison. Alors, m'incliner par le soleil de façon que plus bien on met rendement pour que le soleil là, l'élevé, l'élevé, que je vais toujours fixer ce lit pour que toujours un bon rendement et de l'installation. Ok? Et non, même panneau solaire et monosato, on a pour que les gens inclinaison à 35 degrés vers le sud. C'est-à-dire que si nous boussons, nous avons vérifié pour le sud là.